RTL Matin. Les carnets d'Alba. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Hier, Nicolas Sarkozy a été applaudi à la table du Conseil des ministres. Pourtant, dans l'équipe gouvernementale, il y en a beaucoup qui doutent. Oui, alors ils l'ont applaudi pour le féliciter après le débat avec François Hollande. Mais vous savez, beaucoup de ministres, effectivement, sont perplexes. Même s'ils ont aimé le discours du Trocadéro le 1er mai, un discours qui était, dit-on, plus équilibré que les autres. Même s'ils ont trouvé que leur champion était très bon face à Hollande. Un ministre raconte, on est dans ce moment où l'ouragan va arriver et où tout est calme. Alors quand on demande d'ailleurs, tiens, quelle aura été la meilleure intuition selon vous, la meilleure intuition de François Hollande pendant cette campagne ? La réponse d'un membre du comité stratégique de Nicolas Sarkozy est assez étonnante. La meilleure intuition de François Hollande, c'est de ne donner prise sur rien. Et le même explique, j'ai entendu Sarko dire 10 fois, Hollande, je vais le prendre à la gorge, le serrer et l'étouffer. Et pouf, il a glissé. Hollande, dit-il, c'est une savonnette. Il y a un phénomène, Alba, que l'on observe depuis quelques mois maintenant, c'est le recasage des conseillers et collaborateurs de ministres et même de l'Élysée. Est-ce que c'est normal avant une élection ? Totalement normal, hein, que le pouvoir change ou pas, c'est toujours le même balai. Plus d'un conseiller sur 5 a déjà fait ses valises. En fait, depuis le début de l'année, sur 550 collaborateurs, 118 ont quitté leur fonction. Alors c'est allé crescendo. Il y a eu 15 départs en janvier, 32 en février, 42 en avril. Hier, on a appris que l'une des plumes de Nicolas Sarkozy, l'un des auteurs de discours du président, Camille Pascal, avait été nommé en Conseil des ministres maître de requête au Conseil d'État. Ce n'est pas le premier homme de l'Élysée qui obtient une telle nomination. Il y avait eu le monsieur sondage de l'Élysée. Il y avait eu aussi le conseiller social de l'Elysée. Il y a aussi des départs vers les préfectures, vers les ambassades. Il y a ce majoritaire donc qui se recasse dans les établissements publics ou dans les inspections générales, ou bien ceux qui sautent le pas vers le privé. Vous savez qu'il y a une vingtaine de collaborateurs qui sont déjà tournés vers le privé, comme à la FNAC, chez Orange, à la Société Générale, chez GDF Suez, chez Areva, etc. Alors dans le privé, l'avantage, c'est que l'on peut maintenir sa rémunération. Dans les cabinets ministériels, on touche environ de 5 000 à 11 000 euros, hein, une rémunération qu'on n'est pas sûr de conserver en restant dans le public. Alors combien ça coûte la présidentielle à nous les contribuables ? Environ 6,15 € par tête de pipe. Ouais. Voilà. Au total quand même, alors le chiffre est plus vertigineux, 228 millions d'euros. C'est 17 millions de plus qu'en 2007 et c'est 27,6 millions de plus qu'en 2002. Alors tout ça, ça inclut les frais de campagne, le tournage des clips, les impressions des affiches, l'acheminement des bulletins dans nos boîtes aux lettres, l'organisation du scrutin à l'étranger, le personnel qui est dans les bureaux de vote. Et ce qui coûte le plus cher, c'est la mise sous pli des bulletins de vote et la location des salles pour stocker tout le matériel de vote. Et puis vous avez le tweet du jour. Le tweet du jour que l'on adore. Il est signé Jean-Baptiste Marteau, il est journaliste à LCI, qui cite son taxi qu'il a emmené ce matin au travail. C'est pas bien ce que fait Bayrou, Giscard d'Estaing doit se retourner dans sa tombe. Bon alors on précise que ça, Giscard est toujours vivant. Voilà, ce taxi qui a dû rater un petit quelque chose. Merci beaucoup Alba.